bizimoldea kanbiatu da, ibilpidea, komunikazioak, bideak egin dira, hirian jendia emendatu da, hiriko bizitik baute eskapatzen beharra, eta beraz haize gehiago, artzain mundu eta laborantzi mundutik kanpoko jendia ibiltzen da menditan. Guk badakigu zertako giren, nola ari gien, nola bizikien, nola ibiltzen duen gure kalak, gure usaiak, gainatekoak nolatzen. Jarra egiten denak, anitzek, ez du ez Malezia gaiztoik, ez gaiztakeriaik, ez maltzokerik, ez daki. Donc, il me semble primordial que tous, utilisateurs différents, qu'on soit les éleveurs, qu'on soit amoureux de la nature, qu'on soit hébergeurs touristiques ou producteurs de produits, on va dire, voilà, de montagne, mais qu'on apprenne à vivre ensemble, déjà à se connaître, pour mieux vivre ensemble et surtout, encore une fois, à se respecter. Nous ressentons le besoin de réguler un peu certains comportements un peu anarchiques ou individualistes d'usagers de la forêt, de l'espace naturel en général et de la forêt en particulier. C'est par exemple lors de la cueillette des champignons, il y a évidemment beaucoup de monde qui se retrouve en forêt, qui ont des comportements souvent agressifs vis-à-vis des autres chercheurs de champignons, mais aussi vis-à-vis des autres usagers comme les exploitants forestiers. Il y a évidemment des dépôts d'ordures sauvages, un tas de nuisances liées à la trop forte fréquentation. Par exemple, dans les conflits d'usage qu'on retrouve souvent, il y a notamment la gestion des flux touristiques. Hein, comment faire pour que les gens ne se garent pas n'importe où ou alors des conflits avec les promeneurs et leurs chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Bon, ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Et surtout sur les massifs où on a une fréquentation touristique un peu plus importante, comme sur Bidaraï ou sur Uruni. C'est vrai que nous, on est, je dirais, à l'étage inférieur, puisqu'on est, on navigue sur les cours d'eau, mais on voit bien que tout se superpose. Et puis, on est actuellement dans une démarche avec nos amis pêcheurs, parce qu'on a toujours la même réflexion et comment ça se passe avec les pêcheurs, comme s'il y avait un conflit existant ou latent. Et à ce jour, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais par toujours des bruits qui courent. On va essayer actuellement de se retrouver avec les pêcheurs. On a déjà concrétisé des actions ensemble de nettoyage de cours d'eau. On a plus à, je dirais, à faire ensemble qu'à défaire. Voilà. Nous sommes aperçus qu'il y avait de plus en plus de difficultés dans le cadre d'une cohabitation dans cette montagne, qu'elle soit de Soule ou d'ailleurs, montagne du Pays Basque. Et après un échange entre commissions syndicales, nous sommes aperçus que c'était un problème commun et qu'il convenait de le porter ensemble et de le traiter en commun. Ce guide de bonne pratique de la montagne basque, c'est avant tout une action phare, une action forte de la charte de développement de la montagne basque qui a été voulue par l'association des commissions syndicales Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna. L'association des commissions syndicales a donc voulu par cet axe fort réussir à travailler sur la cohabitation des activités en montagne et sur la gestion des conflits d'usage ou la prévention des conflits d'usage en montagne. La démarche d'animation donc pour cette année 2010, dans le cadre de la construction de ce guide de bonne pratique, a été de réunir sur différents ateliers ou réunions participatives des acteurs représentatifs de chaque secteur d'activité, avec des acteurs professionnels, des associations, des représentants d'institutions, des élus et des usagers. Jusque là, souvent, on a peu de contacts et quelquefois on a tendance même à s'éviter. Donc cette démarche participative, le grand intérêt, c'est que,
que les gens se rencontrent et parlent entre eux. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à un consensus pour que tout le monde puisse pratiquer ses activités en bonne entente avec les autres usagers. On est intervenu, nous, avec notre étiquette de structure travaillant sur l'environnement, de manière à apporter une meilleure connaissance sur les milieux qui sont présents sur le territoire, dans quel état ils sont et quelles sont les possibilités de mise en valeur ou alors les pratiques à changer ou à améliorer pour permettre à un patrimoine précis de continuer à exister. Orain egiten ari giren lan hau, egiten du ez guk gure zaintzeko edo bakarrik gure legeniteko, partekatzen du beste mendiko ibiltzale guziekin partekatzen du pentsaketa hori. Heiekin muntatzen du, aitzinetik, heldu baita ondoko egunetan, ukaindula gauzen iardesteko ahala, esplikatzeko, nola pentsaketakina ditun, bai, egun hartan enik estatzen zen iztari, promenatzale edo esplikatzen aldakot, jaren lagunekin ere prestatzea ditugula ibilmonde horiek. Nahi nuke eta bai, auzira arribatu gabe, arrainatu hanberian, eta zait arrangura alima da, eta Eusen Stadt ba lehen dakari eta besten dakore, haize errexago itira aferak lekian berian againa diten. Aujourd'hui, concrètement, grâce à cet ensemble de réunions, on est arrivé à créer un classeur de fiches détachables qui comporte aujourd'hui environ une centaine de fiches, avec à la fois des fiches dédiées aux gestionnaires, avec donc tous ces éléments juridiques, réglementaires et de gestion dont on parlait, mais aussi un ensemble de fiches, plutôt dirigées cette fois à des usagers de la montagne en matière d'information et de recommandations de bonnes pratiques. Ce classeur est aujourd'hui disponible, il est aussi disponible en ligne sur un site de travail pour les acteurs qui nous ont aidés à le construire et on aura un site destiné cette fois au public qui sera mis en ligne fin janvier. Pour les usagers de la montagne justement, on sent bien qu'on ne peut pas s'arrêter à divulguer l'information récoltée cette année, qui a tout un travail de sélection d'informations et de diffusion, de communication de cette information à faire. Donc ça sera vraiment l'objet de la prochaine phase du projet de guide de bonne pratique de la montagne basque. Lan utagi landan, hain nuke segidezaun mendian zartzen panoatzu esplikatzeko jender nola erabil mendian. Pour moi, je pense que c'est un outil évolutif. Hein, parce qu'aujourd'hui, on connaît les utilisateurs, mais demain, il peut y avoir encore d'autres utilisateurs qu'on n'avait pas imaginés aujourd'hui. On peut se trouver devant des cas de figure qu'on n'avait pas imaginés, et donc c'est quelque chose qui sera très certainement à évoluer dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et ce qui me semble encore plus essentiel, c'est de poursuivre ce partenariat sur le long terme. À mon avis, c'est ça qui va faire qu'on va, dans l'avenir, être de plus en plus efficace pour gérer les conflits d'usage et finalement faire qu'ils n'apparaissent même plus, quoi. Nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de porter ce projet encore au-delà et d'en faire vraiment un guide de bonne pratique qui se traduira dans le temps de façon pérenne avec une mise à jour constante. Pour ce faire, il faut qu'on ait une cohabitation parfaite avec une compréhension de chacun des acteurs.